Et salut tout le monde et bienvenue pour l'épisode numéro 5 de ISO Mode. Et aujourd'hui on continue l'aventure, on continue et on a ça. Enfin ça y est, on l'a. Alors vous allez rire, j'ai encore perdu mon gerbo hein. J'ai encore perdu. Du coup bah on n'est pas prêt d'en avoir un sur notre épaule. Enfin faut en retrouver un du coup mais... Je suis un boulet. Je les perds tous. Bon, trouvons autre chose. Hop, on est parti. Le dernier épisode était assez long, il faisait plus d'une heure, donc voilà, c'était copieux. Hein. Le dernier épisode, il était copieux. Celui-là, il sera beaucoup plus court, beaucoup plus court, puisque en plus, il sort en même temps que le nouvel épisode de Nawark Ultimate. Et je vous l'annonce, donc si la série vous intéresse, Nawark Ultimate, n'hésitez pas à aller la regarder et à aller donner votre réaction en commentaire ou avec des likes, etc. Oh, il est magnifique. Bon, on va pas le tamer. On va se faire exploser. Donc voilà, n'hésitez pas à aller donner vos réactions. Et puis n'hésitez pas à soutenir les séries. ISO, je vois bien que vous le soutenez de ouf parce qu'on est à presque 2000 likes par épisode. Et comme d'habitude, on met toujours les objectifs de 2000 likes par épisode sur cette nouvelle série. Ragnarok, nouveau DLC. Donc Ragnarok, qui était avant un mode hein, et qui est disponible depuis bien longtemps, mais la map était pas finie. Donc maintenant qu'elle est finie. Puis en même temps, je me balade en fait, j'essaie de chercher des dinos sympas. D'ailleurs, je vais me balader par là-bas et on va aller un peu à droite. Mais oui, Ragnarok, va y avoir une série dessus, c'est sûr et certain. De toute façon, comme tous les youtubeurs, j'imagine. Mais on va faire du coup la saison 2 de Valhalla sur Ragnarok. Donc, c'est pas pour tout de suite. Pas pour tout de suite. Oula, j'ai vu un truc qui m'intéressait là. Ça fait pas de bruit! Vivement qu'elle puisse mettre à jour la map parce que ça fait pas de bruit, c'est insupportable. Là, voilà, ça y est. C'est vrai que quand je me mets là, il n'y a pas de bruit. Si je me mets comme ça, il y a du bruit. Voilà. Mais Ragnarok, il y aura une nouvelle série du coup. Dès qu'on finit Valhalla, la fin de Valhalla sera à peu près l'épisode 50, je pense. Enfin, 50. 52, je pense. Un truc comme ça. Yuki, le Walker Spirit. Mais je l'ai pas endormi. Oh, je suis deg. Oh, par contre, on a de nouveaux trucs. On a des nouveaux trucs. Est-ce qu'on tente la spyglass? J'ai pas envie. Mais on pourrait tenter. Hein. En fait, si je le tente. Si je tente la spyglass, je pourrais pas réessayer de me reconnecter. Ça va être trop long. Faut que je parte direct sur Nexus RP. On est au jour numéro 7 de Nexus RP. Les épisodes seront mis sur la chaîne de Rediff. Alors, bien sûr, il faut que je les mette là. Faut que je me dépêche de. Oula, calme-toi, faut que je me dépêche de les mettre du coup, de faire peut-être des best-of. Il faut que je vois ça. Mais ouais, faut que je m'y mette. Donc Nexus RP ce soir. Comme tous les soirs. Toi. Exalted, oula, on le laisse tranquille. Mais ouais, comme tous les soirs, 21h minuit à peu près, vous pouvez venir me voir en live. Le lien est dans la description, comme dans toutes les descriptions de toutes mes vidéos d'ailleurs. Sur Twitch, vous pouvez venir. Y'a pas de soucis. Oh merde! Oh, je savais bien qu'il y avait un truc qui bloquait! Putain, je savais bien que j'avais vu un truc qui bloquait là. C'est pas le bon! On se casse! What the fuck? Laisse-moi tranquille. Voilà. On est bien ici. Voilà. Ouh. On aurait besoin d'une grenouille aussi. Ouh putain, ça c'est un prime. Donc ça se tame pas ça. Oh mais il y a trop de trucs là. Je vais là-haut. Montons un petit peu. Oula. Non, je saute. Et hop là. Vivement que les boxons soient réglés. Ça, moi je vous le dis, vivement les boxons. Quand les boxons seront réglés. Oh bah voilà. Quand les bugs seront réglés, je réutiliserai la spyglass. Entre temps, on ne l'utilise pas. On verra plus tard. J'ai peur de cracher. J'ai vraiment pas le temps de pouvoir cracher là. Je me le permets pas. Ok. Bon, on va prendre un petit peu de Mejoberry. De toute façon, il n'en faut pas tant que ça, je pense, pour le gerbo là. Voilà, 7, c'est suffisant. Voilà. Toc.
Viens là, toi. Je devrais les appeler Gerbi 1, Gerbi 2, Gerbi 3. Au bout d'un moment, on finirait pas savoir combien il y en a eu. Allez, viens. Viens là. C'est pas possible, ça te perd toujours sur Gerbo. Je suis qu'en x10 en timing, donc c'est que ça se tame vraiment facilement. Vraiment facilement. Oh putain, on se casse. Je fais bien de monter la speed en vrai, hein. Je pense que c'est la meilleure des options que j'ai. Monter la speed. Parce que vous voyez tout ça là. Là-bas c'est un... Indominus Rex. Un Indominus Rex. Putain. Et ça c'est un dragon. Est-ce qu'on va assez vite pour l'Indominus? Allez, moi je dis que oui. Ça c'est un Prime Raptor. Bonjour toi. Ça c'est un Exalted Smilodon. Là il y a des Raptors rouges. On s'en fout un peu. Nous ce qu'on veut c'est des alphas parce qu'après il va falloir les améliorer. Les améliorer en Prime. Ça va demander de l'ADN, des Alpha Earth et tout. Ça va demander plein de trucs. On a beaucoup de choses à faire. J'espère juste qu'on va pouvoir peut-être un jour réutiliser les flèches pour tamer des alphas, parce que là c'est pas possible, mais ce serait bien qu'ils puissent le faire fonctionner. Vous savez quoi, je vais essayer de trouver un Terra, parce que c'est un petit peu le but. Quoi qu'on en avait trouvé un, mais c'était loin. C'était loin, 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 loin. Donc, je vais plutôt me diriger vers là-bas, vers les terres enflammées qu'on n'a pas encore découvertes. Donc on va pouvoir voir un peu à quoi ça ressemble, le biome. Et on ferait mieux de tamer aussi des tonnes et des tonnes de trikes. Au cas où ça meurt. Quoique les trikes c'est pas les trucs auxquels... Enfin ça risque pas de mourir en fait. Il en faut un par... Oh il est tout mignon. Il en faut un par par base. Mais c'est tout quoi. Ils vont pas mourir. À moins qu'on se fasse assiéger par des wyverns. Des dodo wyverns et des dragons. Y a pas trop de raison. Du coup on va découvrir un petit peu ce biome ensemble. Et je suis pressé hein, de commencer Ragnarok. Sincèrement, je suis très pressé de commencer Ragnarok. Donc vivement qu'on finisse Valhalla, mais en même temps j'ai pas envie de finir Valhalla hein, parce que c'est voilà, c'est la première série. Voilà, j'espère que vous suivrez du coup Ragnarok qui sera aussi avec Anunnaki. Aussi. Putain, il va pas vite dans l'eau. Hein. Il va pas vite. Voilà, j'espère que vous suivrez la série autant que vous avez suivi Valhalla. Et bientôt des nouveaux jeux qui vont arriver sur la chaîne, ça c'est sûr et certain. Ah ouais, ouais c'est vrai qu'elle est pas finie cette map. Par contre elle est sponso Iso. Iso est sponso donc. Donc on fera... Bah donc elle sera complète et elle sera normalement en DLC. Et disponible sur console. Mais bon on va pas parler du débat console versus PC parce que sur console ils auront des mods. Apparemment ils seront gratuits les mods, mais bon voilà. Le jeu sera à 60€. Il y aura des maps, mais ce sera des season pass, donc ce sera payant. Je crois que ça va être 20€ ou 10€ le season pass, je sais plus. En gros, si tu veux toutes les maps, si tu veux tout ce qui est disponible, t'en auras pour 100 ou 140, 100€ je pense. Et en plus, t'auras pas tout ce qu'il y a sur PC. Alors t'as une version PC, mais c'est une version Windows, donc c'est-à-dire que c'est sur le Windows Store et donc c'est pas sur Steam, donc t'as pas les mods. Donc même si tu l'as sur PC du coup, parce qu'en gros si t'achètes une version Xbox tu l'as aussi sur PC. Mais c'est sur Windows Store. Du coup t'as pas les mods que moi j'ai là par exemple, c'est impossible. Faut l'acheter sur Steam dans ce cas. Bon après il est à 8€ sur Steam donc tranquille hein. Enfin 8€, il est tout le temps en promo à 8€. Oh je vais prendre ça, je vais en profiter. Il est tout le temps en promo à 8€ donc tranquille hein. Cristal, qu'est-ce que ça donne d'autre à part du cristal ça? Rien du tout. Ce seraient les seuls cristaux qui donnent que du cristal. Apparemment. Dommage. Bon. Y'a pas grand monde hein, y'a pas beaucoup de dinos là dans ce biome là. C'est pas comme l'autre biome qu'on avait trouvé où il y avait des tonnes et des tonnes de boss. Complètement différent. Mais on devait visiter un petit peu tous les biomes. Ça c'était sûr, il fallait le faire. Il fallait absolument le faire, donc là c'est ce qu'on est en train de faire. Il y a beaucoup de dinos normaux. C'est un peu dommage d'ailleurs. Je trouve ça dommage qu'il y ait des normaux en fait. Ça devrait tous être démodés plutôt que d'avoir des normaux. Ou en tout cas
un bon 80% de modés et 20% de normaux. Parce que là, ça sert vraiment à rien pour le coup. Les mégalocéros, qu'est-ce qu'on s'en fout dans la série? Si, à la limite, c'est de l'eau. Donc, pour faire des missions, caravanes et tout, ça permet d'avoir de l'eau en masse. Mais dans ce cas, autant faire des recettes personnalisées et avoir des trucs qui te régènent l'eau au maximum. Alors ça, c'est nul. Parce que ça va pas vite le jour. Et comme c'est souvent le jour... C'est vrai que quand on l'endort, on n'a pas les stuffs. J'avais zappé ça. Si on l'endort et qu'on le tue, on n'a pas les stuffs qu'il a à l'intérieur. Donc ce truc-là est vraiment pas bon pour chasser. Il me faut un vrai dino, un alpha. Calme-toi, le roi de la colline. Et on saute du dino. Hop. Hop là. Hop là. Bon. Rien du tout, hein. Une misère. Ah, sauf le biome où on va aller là. On va aller dans un nouveau biome qu'on n'a pas encore découvert. Vous allez voir. Normalement, il y a beaucoup beaucoup de dinos aussi dans celui-là. Enfin, aussi. Non, justement. Il y a beaucoup plus qu'ici en tout cas, ça c'est sûr et certain. C'est juste en face, c'est là-bas. Ah, sauter. Hop là. Allez, on avance. Hop là. J'adore ces marais, c'est magnifique. Vous avez vu des marais avec des arbres rouges comme ça? Franchement, le biome arbre rouge orangé comme ça, ça devrait exister en vrai. Enfin ça devrait exister. Ouais, il devrait y avoir... il devrait créer un biome comme ça. Parce que franchement, il est magnifique. Tiens, je peux monter là? Ouais. Ouais. Oula, me faites pas mentir. Mais dites pas qu'il y a rien. Ah. Enfin, c'est pas ça qu'on cherche, mais... Ah bah voilà. Voici, ils sont là les mobs. Ils sont là. Terror Burn. Bonjour, je viens faire les courses. Mantis, ça peut être bien. Saber. Ouais mais non, il y a un dodo. Un dodo Rex, on se casse. Faut trouver un truc qui est un petit peu isolé. Qu'il soit pas une wyvern, sinon on se fait... Bah sinon on est mort en fait, c'est une wyvern alpha qui nous aggro. On va vraiment pas assez vite. Ok, c'est les allosaures qui crient, tout va bien. Ok, donc ça c'est une hiver, on se casse. On se casse. Bonjour les carnaux. Oh, c'était le nouveau dino ça alors. Ah bah le blanc. Salut. Il est cool, mais il est pas encore modé celui-là. Qu'est-ce que c'est? Y'a un debuff dessus? What the fuck, il s'est fait exploser. Endormez-vous. Endormez-vous. Voilà. Tout va bien. Alors celui-là est bien. Mais il est pas modé. Je suis bien déçu. On va quand même le prendre. On va quand même le prendre. Voilà. Coucou. Toc, prends ça. Je reviens te chercher après. Je reviens après. Ça, je vais avoir besoin. Ça aussi, on va acheter un peu. Voilà, on va acheter des trucs qui servent à rien. Ouh, ça, c'est un bionique. Là, il y a un Carno Alpha. Carno Alpha, c'est bien. Hein. Carno Alpha, c'est bien. Il est level combien celui-là? 560 en plus. Hein. C'est bien ça. On va aller l'amener au même endroit que l'autre. Et on va le tamer au même endroit. Oula, il y a une wyvern. Non, c'est une dodo wyvern. On voit rien avec ce brouillard. Oh, un raptor. Oh, les deux d'un coup. Les deux d'un coup, je prends. Raptor alpha plus carno alpha, je prends. Putain, y'a des wyverns de partout. Dodo. Allez. Ouf. Ouf. Endormez-vous, parce que moi, je vais crever. Hein. En vrai, s'ils arrivent pas à me toucher, c'est bon, mais... Je me prends un coup du carno, je me casse.
putain, la violence. Je mets pas assez de torpeur. Hein. Puis je régène pas assez non plus. Poison. Poison. Agité. C'est pas les bonnes. J'ai pas de potion de vie, putain. Aggro les mammouths. Aggro les mammouths. On a quoi d'autre? Alpha. Alors ça c'est quoi? Tyren? Comme sleep. Ok, donc ça régène la stamina, ça réveille, ça s'endort. Y'a pas de problème. Y'a pas de problème. Non mais ils me suivent là. Non c'est bon. C'est bon, il s'est pas réveillé lui. Ok, il y a 16%. Ça j'en veux pas. Il va me falloir des potions hein, parce que là ça va pas être possible. Agresser d'autres choses. Voilà, mettez-vous sur autre chose. Arrêtez de me magro moi. Oh, un mammouth. Un mammouth alpha. Level combien? 400. Y'a mal ce truc là. Y'a mal ce truc, mais je pense que je peux juste rien prendre en fait. Parce que si je prends n'importe quoi, je meurs. Le mammouth il va me faire trop mal. Je vais mourir instant. Ouais, il me faut des potions. J'ai de quoi faire en plus, j'ai des toxic blood, donc je pense que il y a de quoi faire pour les potions. Mais what the fuck. Va falloir trouver peut-être un, du coup comme on avait dit, un Ptera alpha, ça peut être bien. Calme-toi. Un Ptera alpha ça peut être bien. Un Argentavis alpha aussi. Le raptor tout seul aurait été bien, franchement s'il y avait juste le raptor je l'aurais pris direct, mais mais il y a les deux. Et là je vais me faire exploser, j'ai vraiment pas assez de PV, il me fait du 900, l'autre il me fait du 2700, ah. Faudrait pas mourir de chute quand même, ça serait dommage. Donc voilà, ce que je vais faire c'est que je vais juste attendre ici. Et puis je vous reprends après. Dès que ce machin là est tamé et on rentre à la base avec. C'est pas très loin, c'est là-bas. Bon bah voilà, parfait. Parfait. T'as encore des trucs toi? C'est bien ça. Ah oh, c'est beau. Même s'il est pas très HL, c'est juste que celui-là je l'ai jamais eu dans aucune série, donc c'est cool. Il va vite ou quoi? Ça va. Bon. Bah voilà, on est rentré, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. J'ai pas compris. Il y a eu un bruit, je sais pas. Bon, bah, en tout cas, on est rentré. Lui, il pleut des. Il fait pleuvoir des œufs qui servent à rien, c'est génial. Donc, on est rentré, c'est bon. On a notre Allosaur et notre Yutu. Il faut lui faire sa selle. Yutu. Attends, c'est quoi déjà? Yutiranus. Yutiranus. Donc, Yutiranus. Yutiranus level 80, je ne peux pas faire la selle pour l'instant, donc je ne peux pas m'en servir, c'est dommage. C'est dommage, il est beau pourtant. Allez viens, suis-moi. Ouais, les sifflements marchent pas. Hein. C'est pas grave. Bon bah voilà, ça c'est fait, il est beau. On a ça, pour ce qui est des alphas, il va falloir trouver une solution. Mais j'ai pu faire juste une... Une potion du coup pour le régène, c'est tout. Le spirit, donc c'est tout ce que j'ai pu faire. Il va falloir des rares flowers, parce que ça coûte des rares flowers en fait. Donc il nous en faut un bon paquet. Je sais pas trop est-ce qu'on peut trouver des rares flowers. Je sais plus ce qu'on a sur les cristaux ici. On peut regarder vite fait, hein. Je me rappelle plus. Mais il va nous falloir des rares flowers. En masse. Et là on a du sable. Du sable. C'est tout. C'est dommage, on n'a pas de rares flowers. On a des extraits de cactus aussi. Donc pas intéressant.
Je vais jeter tout ça d'ailleurs. Pas intéressant, je vais aller reposer le reste. Et bien sur ce, je vais poser ça et puis on est bon. On est bon. Sur ce, on va s'arrêter là pour cet épisode qui aurait été un petit peu court, mais voilà, tranquille, on a fait un épisode d'une heure le jour, donc voilà. On se retrouve bientôt pour l'épisode numéro 5. Moi, je pars en live vu que là, il est l'heure, donc voilà, je pars en live. Je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Demain, aujourd'hui c'est Nawark, demain c'est Valhalla, donc c'est lundi. À lundi, des bisous.